Mesdames et messieurs les députés, nous avons entamé l'examen du projet de loi constitutionnelle le 10 juillet dernier. Nous avons examiné plus du tiers des 2400 amendements qui avaient été déposés par chacun d'entre vous, et c'est un travail très sérieux que nous avions commencé à faire. Ce travail s'est interrompu à la suite des révélations concernant M. Benalla. Je le regrette profondément parce qu'il y avait, il y a, dans le projet du gouvernement et dans les amendements qui ont été adoptés au cours des débats en commission, des propositions extrêmement positives pour le renforcement de notre démocratie. Le gouvernement prend acte de cette situation, de ce choix qui ne peut être que déploré. En conséquence, le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle, mais souhaite que celui-ci puisse reprendre ultérieurement dans des conditions plus sereines. L'examen des textes prévus à partir de demain doit pouvoir reprendre son cours, comme cela a été indiqué dans l'ordre du jour. Le gouvernement sera toujours là pour défendre notre Constitution et la faire évoluer. Merci. Merci, Madame la Ministre. À ce stade, je veux dire quelques mots, mes chers collègues, car depuis longtemps, dans cette Assemblée, nous parlons de la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Cette mission de contrôle de l'action du gouvernement, j'ai veillé à ce que nous puissions l'exercer dans ces circonstances difficiles. Pour ma part, je ferai tout pour que la réforme constitutionnelle aboutisse. Vous le savez, je suis personnellement engagé sur ce sujet depuis de nombreux mois avec Madame la Ministre. La rénovation de nos institutions est plus que jamais nécessaire. Nous venons encore d'en apporter la démonstration. L'agitation doit retomber et elle retombera. Le travail législatif doit reprendre et il reprendra. En accord avec le gouvernement, j'ai donc décidé d'arrêter maintenant notre séance. La prochaine séance aura lieu demain à 16h.